films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. I am Don Quixote de la Mancha, dedicated to chivalry and the protection of the weak. Ta mère m'a dit que tu vas voir ton père pendant les vacances. Vous allez le voir en Suède avec ton frère, j'ai bien compris. Tu es contente de le voir? Tu dors pas? Toi non plus, tu dors pas. Je dors jamais. Et j'ai des cadeaux pour vous. Préparez vos affaires, on va dans le nord. Je vais vous montrer une vieille maison au milieu de la forêt, ça va vous plaire. On devrait partir. Tom ! Ce que je voulais, c'était retrouver des choses de l'enfance et de faire que le spectateur puisse être comme ça dans le point de vue de deux enfants, et particulièrement d'un petit enfant de 8 ans qui s'appelle Tom dans le film et qui est presque le... comment dire, le réceptacle de sensations qu'il éprouve du monde qui l'entoure, et notamment des rapports avec ce père qui vit et travaille à l'étranger depuis qu'il est séparé de leur mère, qui ne voit pas souvent et qui connaissent assez mal, et qui du coup le film raconte cette période de vacances où ils vont le voir là-bas en Suède où il s'est installé. Sans être du tout dans des choses d'explication, mais plus dans des choses de perception de l'enfance. Je voulais que les personnages soient à la fois dans ce rapport d'attirance. Enfin, c'est vraiment le projet du père que de montrer aux enfants la splendeur et la force de cette nature, et avec des choses très douces aussi de ça, des lumières, de se baigner dans l'eau, et évidemment la forêt, c'est un lieu où l'être humain a toujours eu peur de se perdre, c'est facile de perdre son chemin. Tout ça a contribué pour moi à créer à la fois quelque chose qui est assez naturaliste, qui est le rapport à la nature, enfin, et qui confine très vite au surnaturel, enfin, parce qu'effectivement, la forêt, c'est aussi le lieu des elfes. Moi, je suis un grand admirateur de Miyazaki, et j'aime beaucoup la façon dont Miyazaki, dans ses films, montre la nature comme à la fois, encore une fois, éventuellement dangereuse, enfin compliquée, forte. C'est pas toujours notre ami, et en même temps, il faut la respecter, faire avec, l'admirer, éventuellement l'aimer pour ce qu'elle nous donne. Enfin, il y a quelque chose. C'est presque une divinité. Voilà, et ça m'intéressait de sentir ce rapport-là. J'avais le terme presque de défiguré dans ma tête. Nous, on l'appelait comme ça entre nous pendant le tournage, et même avant, l'homme défiguré. C'était comme ça qu'il était signalé dans le scénario. Et je voulais que ce côté défiguré paraisse presque impossible, et en même temps, enfin presque pas viable pour un être humain, et en même temps, encore une fois, assez simple. Je ne voulais pas justement une image du diable qui soit trop classique ou... Et en fait, c'est en faisant nos recherches où on est tombé sur les fameuses photos des gueules cassées de la guerre de 14-18, où il y a comme ça des blessures absolument inouïes de gens qui ont vécu, enfin survécu, et il y avait l'envie que le personnage existe vraiment, et que l'enfant se retrouve pendant le tournage face à lui, qui regarde quelque chose. C'est-à-dire que je ne voulais pas
quelque chose qui soit totalement numérique ou... je voulais quelque chose d'assez simple et d'assez incarné. Timothée qui joue Tom et voilà, en plus d'être un comédien incroyable et un être humain irrésistible, enfin il est à la fois très drôle, farceur, très attentif aux autres. À partir du moment où je l'ai vu en essai, d'ailleurs, où on a fait passer les essais avec Jérémy, j'avais dit à Jérémy, honnêtement, on me dirait aujourd'hui, tu ne peux pas tourner dans la forêt, tu ne peux pas tourner en Suède, qui était une de mes obsessions aussi. Lui me paraît tellement formidable que je l'accepterais. Je préférerais tourner avec lui ailleurs que de devoir renoncer à lui. Par chance, on a eu à la fois les paysages suédois, l'immense forêt, les lacs, et Timothée. Sur le tournage, c'était très, très... Enfin, assez idéal. Là aussi, parce qu'en dehors d'avoir un rapport à l'équipe, aux êtres humains... Super, Timothée a un rapport aussi à la nature incroyable. Dès qu'il voyait des animaux, les grenouilles, les vers de terre, les plantes, tout ça, il a ce côté que le personnage a, même si lui est beaucoup plus, comment dire, volubile que le personnage de Tom, ils ont en commun une très grande, c'est une espèce de récepteur de ce qui les entoure, et ça me plaisait beaucoup chez lui. Ses yeux, la façon dont il écoute, ce sont des choses qui me parlaient beaucoup. Le personnage du père, lui, voudrait tellement être indépendant qu'il va jusqu'à l'autarcie, enfin, il a des rêves presque totalitaires de n'être dépendant de rien, de couper les ponts avec tout. Moi, je me sens d'autant plus indépendant que je ne me sens pas en guerre contre... ni le système, ni les autres. Je suis quelqu'un qui ne fonctionne pas dans le conflit. Au fond, c'est presque en faisant une espèce de chemin, en n'avançant pas si vite. J'ai fait un peu de films en pas mal d'années, en prenant mon temps, en travaillant avec des gens que j'aime, que j'estime, en cherchant le chemin comme ça, sans trop forcer les choses, que j'ai l'impression que l'indépendance est la plus grande.